Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle farce pour les briques. Vous allez voir, elle est très 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 bonne. C'est la deuxième fois que je le fais et la première fois, j'avais pas voulu faire la vidéo, mais là vraiment, j'ai pas résisté. Si vous êtes prêts à faire cette recette, yallah bismillah. Donc, pour réaliser ces brouettes toutes simples avec une farce très très bonne, vous allez le voir. Donc, j'ai concassé des carottes dans mon appareil à oignons, j'ai mis du maïs. Un bel oignon et du persil. Et puis là, j'ai du vermicelle de riz sur lequel je vais verser de l'eau bouillante que je vais laisser tremper pendant 5-10 minutes. Voilà. Et je vais commencer à. Donc je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais faire revenir ma farce. Pendant une dizaine de minutes et je vais rajouter les épices. Pour les épices, vous voyez, j'ai mis du curcuma, de l'ail, une grosse cuillère à café de paprika doux, du curcuma, voilà, du persil, du sel bien sûr. Voilà, donc je vais remuer un peu, je vais couvrir et je vais terminer ma farce. Donc, lorsque votre farce est cuite, vous rajoutez les vermicelles de riz que vous avez préalablement coupées au ciseau. Et puis, on va ajouter aussi l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja et des bâtons de surimi, une dizaine, 10-12, que j'ai coupés comme ça en petits morceaux. On va bien tout mélanger et on va laisser la farce parfaitement refroidir avant de faire nos briques. Donc pour le pliage des braouettes, vous prenez un peu de farce comme ceci. Moi je vais faire des grosses pour aller plus vite. On aurait pu les couper en deux et faire des petites braouettes, des petites briques. Voilà. Donc c'est tout simple. Vous rabattez ce côté-là, vous rabattez l'autre et ensuite vous roulez tout simplement. Voilà. Et vous mettez cette partie-là en dessous pour qu'elle cuise et qu'elle ne s'ouvre pas. Donc ensuite, je les enduis d'un peu d'huile. Je mets de l'huile dans mes mains et je passe mes mains sur les feuilles de briques. Et je vais enfourner à thermostat 6. Mon four est préchauffé pour la cuisson. Voilà mes chers amis, le résultat à la sortie du four, ça sent très bon. J'espère que ma recette vous a plu et à très très bientôt dans la cuisine de Sally Cook.